Stylo à billes, calculatrice en main, cahier sur la table, dans cette salle de classe scientifique, les élèves se préparent à passer leur bac avec leur enseignant. Une volonté de réussir qui se fait ressentir. Nous avons donc commencé la cours de préparation le 31 mai 2023. Et donc depuis le début jusqu'à ce jour, nous avons remarqué que ces filles-là ont fait du progrès. Durant cet an de prépa, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou que j'avais oubliées. Au début, ça n'allait pas, mais maintenant, j'ai la foi que j'aurai le bac avec une mention. Très bien. Ces jeunes filles en série A ont dû réviser ensemble car leur professeur est absent. Nous travaillons en groupe. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui, on devait avoir histoire-géo, que le professeur n'est pas là, on prend quelques filles qui se mettent au devant, on met un exercice au tableau et puis ensemble, on essaie de trouver une problématique, travailler ensemble, s'expliquer, de telle sorte que chacune puisse comprendre, quoi. Parce que entre nous, comme nous parlons forcément, on a le même langage, donc c'est plus facile. Dans cet établissement, pour permettre au plus grand nombre de s'améliorer, les élèves ont été scindés en plusieurs groupes. De quoi booster ceux qui présentent beaucoup de lacunes. On les a éclatés en petit nombre pour que les enseignants puissent les coacher vraiment de façon très efficace. Prendre en compte les difficultés des élèves et puis essayer d'y remédier pendant ce temps de révision. Quand on parle d'examen, le stress est inévitable. Alors plusieurs activités sont mises en place pour leur permettre d'inverser la tendance. Celui qui dit qu'il n'est pas stressé, c'est qu'il ment. Mais on essaie tant bien que mal d'essayer de gérer le stress. Parce que ce qui fait plus stresser, c'est ce que c'est quand tu penses à ce qui va se passer là-bas, en fait. Les après-midi, on essaie de se distraire, on a mis en cause, on étudie, on prie bien. Des dispositions également ont été prises par l'administration. Les filles sont déjà fin prêtes. Elles sont faites prêtes dans la mesure où nous avons organisé suffisamment d'activités pour leur prise en charge. Par exemple, pour leur permettre d'évacuer le stress, nous leur avons montré des vidéos de motivation au travail. Ce sont au total plus d'un million de candidats, dont 782 862 filles et 814 183 garçons, qui prendront part aux examens du baccalauréat 2023.